PermiTrust est une fintech qui existe depuis 2021. Nous sommes spécialisés dans l'agrégation de moyens de paiement. Nous mettons à disposition une plateforme centralisée qui permet à nos différents clients d'effectuer une intégration sur leur plateforme et leurs services afin de faciliter le processus de paiement. Notre vision est de devenir un agrégateur de moyens de paiement de premier plan. Alors, l'utilisation de Open API Momo nous permettra de garantir cette vision grâce à la sécurisation des transactions, à la conformité aux réglementations, le suivi des transactions, les reporting, les analyses, ainsi que l'assistance même à la clientèle. Aujourd'hui, l'utilisation des API Momo respecte un différent niveau de sécurité. Et ce niveau-là, ce niveau de sécurité s'inscrit sur deux phases. La première phase, c'est d'abord au niveau des communications qu'il y a entre les systèmes de PermiTrust et ceux de Momo API. Donc, nous utilisons en fait des protocoles qui ont été sécurisés et qui permettent en fait que les communications qui sont faites n'aient pas de failles. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est au niveau même du processus de traitement, que ce soit les paiements, que ce soit les transferts. On s'assure que le client qui initie son processus depuis le marchand soit ce même client-là qui valide en fait au niveau de son téléphone mobile. L'intégration des API Momo a été vraiment aisée, facile pour nous, dans la mesure où au sein de PermiTrust, on a des développeurs expérimentés. Mais on a eu un avantage dans la mesure où l'API Momo était vraiment bien documentée. Il y avait des éléments de réponse à toutes nos questions. Donc, nous, ça nous a permis vraiment de pouvoir prendre en main rapidement cette API et de l'intégrer à tous nos systèmes. Quand on voit tous ces mécanismes qui ont été mis en place, on peut dire que le niveau de sécurité, il est là. Et ça garantit qu'il n'y a pas de problème en fait dans le traitement. Nous sommes un agrégateur de moyens de paiement. Donc, nous proposons des services financiers au travers du digital. Donc, apporter cette API dans notre écosystème de moyens de paiement qui était déjà mis en place était très bénéfique pour nous, dans la mesure où MTN, avec son portefeuille de clients, nous avons eu pas mal de clients qui utilisaient nos services. Donc, en termes de bénéfices, ça a boosté notre chiffre d'affaires et ça nous a permis aussi d'être vraiment compétitifs en fait sur tous les moyens de paiement en fait qu'on pouvait fournir aux clients. En ce qui concerne le service technique, nous avons de très bons rapports avec eux. C'est un service assez proactif qui nous soutient dans la résolution de nos problèmes, dans la résolution de tout ce qui est comme anomalie détectée au niveau de la plateforme et qui nous oriente aussi à la bonne utilisation en fait de l'API. Connecter une API de paiement à sa plateforme permet en fait d'améliorer l'expérience client et d'améliorer aussi le taux d'utilisation ou bien le taux de conversion des clients face à ces différentes plateformes-là. Donc c'est vraiment bénéfique pour tous les marchands ou bien pour toutes les plateformes en fait qui les utilisent. C'est vraiment une superbe opportunité pour les développeurs parce que Momo, à travers cette initiative en fait, permet aux développeurs de laisser libre cours à leur imagination parce que au travers des différents pays où Momo est déployé, les développeurs pourront proposer des projets, des produits qui seront vraiment utilisés par les différentes populations et aussi qui pourront répondre en fait aux besoins locaux que les Africains ont actuellement. Si je dois recommander les API Momo à d'autres développeurs, je leur définirai ces trois thèmes-là, sécurité, fiabilité, bonne documentation. Donc, à travers ces thèmes, le développeur saura en fait que les API pourront répondre à ses besoins. Il pourra avoir une prise en main qui est vraiment efficace, quoi.